Allô, chef! Allez, François, je t'adore! Ça va, Grazi? Hey, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête! Nathan! Encore en faire une, parce qu'on ne sait jamais. Pas coûte cher, hein? Ah non, vous, c'est normal, c'est comme ça tout le temps. Ah, pardon. Bon, c'est pas moi, je ne connais pas cette femme-là, hein? Attention, madame. Le petit oiseau va sortir. Non, non, je me vante, je me vante. Il y a déjà longtemps que mon petit oiseau ne sort plus. Avant, avant. Je sortais mon oiseau toutes les heures. J'avais l'oiseau sortir. On m'appelait le coucou. Mais il faudrait remonter mes poids. Regarde. Oh, on t'a pu. Ah, ben, c'est tout. Bon, ça va vite, hein? J'ai acheté la semaine passée. Il n'en a déjà plus. Bon, voilà, ça va plus. N'inquiétez pas, c'est un jetable. Vous connaissiez pas le jetable? Quand c'est fini, il faut le jeter. J'ai déjà vu des belles inventions, mais ça, hein? D'ailleurs, je n'ai jamais une photo. C'est une escroquerie, hein? Si ça se trouve, il n'a même pas de film à l'intérieur. Et pourtant, c'est cher. Il hein? Faut dire, c'est pas n'importe quoi, c'est un de marque. Hein? Celui-là, c'est un Topax. Un Topax jetable. Un potax! Attends, pas que ça n'existe. Ah, si, ça existe. C'est jetable, hein, je crois. Hein. On ne le suit plus maintenant. Hein, ça, c'est juste. Attends, pas que jetable. Mouh, qu'est-ce qu'il est bête. Hé, gagnant, faut dire qu'ici, de temps, pas que, hein, c'est pas avec les femmes qui sont ici que, hein, que j'en vois souvent. Hein. Il a longtemps qu'elles ne mettent plus ça dans la liste de commission. Hein. Hey, gaillard. Ah, c'est une fois. Moi, il n'a pas longtemps, mais elle, c'est une vieille, elle n'a plus tout fait. Ouais, elle parle aux oiseaux. Mais elle est beaucoup plus vieille que moi, elle habite ici. D'ailleurs, elle était déjà au home, bon, bien avant moi. Elle était déjà au home quand j'étais encore à l'école. Ouais, c'est la plus vieille. Et je la vois une fois revenir des commissions, elle avait 9 boîtes. Ainsi de choses, ainsi que je disais tout à l'heure. 9 boîtes. Et elle passe, elle me fait une clignette, elle me fait, je suis surprise, elle fait surprise. Ouh, elle me dit pour moi, elle me drague. Le lendemain, c'était l'anniversaire de sa voisine de chambre. Elle s'amène avec le gâteau. Non, tant qu'elle avait cette femme-là, non. Happy birthday. La voix des flamands, si, hein? Et des mecs comme ça, des flamands. Elle n'avait pas bien vu. Oh, j'ai fait une photo, c'était surexposé, la voix des flamands. Ah, oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué à cause des bougies, hein, les photos d'anniversaire au moment qu'on souffle le gâteau. Plus qu'on vieillit, moins est-ce qu'on a besoin du flash. Hein, c'est vrai, hein. Ah, on a ri avec ça. Oh, mais le gâteau avait quand même un drôle de goût, hein. Oui, parce que c'était un gâteau au kirsch, il n'avait plus de kirsch. Hein. Ça va tout absorber. Alors, on aurait dit un gâteau à la sphaigne. Un gâteau à la sphaigne. Oh. Là-dessus, elle a voulu faire une photo et qu'elle nous a rassemblés parce qu'elle a un appareil aussi. Enfin, elle a plusieurs, elle a des appareils partout, mais elle a un appareil photo. Elle veut faire la photo, mais elle est vieille, elle a la tremble. Comme qu'elle fait, bon, on ne bouge plus. Nous autres, on est là. Allez, on ne bouge plus. Ce n'est qu'après qu'on a compris. Donc, pour ne pas être flou, on était là. On aurait dit une réunion de famille chez Jamiroquai. C'est pour les souvenirs, c'est des photos souvenirs. Moi, j'aime bien faire la photo maintenant, on n'en fait plus. Non, pour m'amuser, hein, mais c'est pour jeter. Non, la dernière fois que j'ai fait des photos, j'avais plus d'appareil, donc j'avais demandé à un camarade de m'en prêter. Hein. C'est bien fait, c'est des petits compacts. C'est tout comme ça, c'est avec un flash et tout dedans. Ouais. C'est 36 vues, hein. 36 photos que j'ai vues en plusieurs semaines, hein, qui me l'avaient prêté. Depuis que j'ai été recherché les photos au développement, le photographe, il m'appelle Van Gogh. J'ai fait 36 photos de mon oreille droite. J'ai mis l'appareil à l'envers, moi. Oh, la fiche, man! Je me disais aussi que le flash allait fort, man. D'ailleurs, après quelques jours, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, avec le flash, on a les yeux rouges. Il me dit, oui, c'est normal, c'est le flash. Quand j'ai eu fini le film, je me suis regardé dans on aurait dit Jean-Marie Le Pen en pleine crise de conjonctivité. Oh, j'ai fait 36 photos de mon oreille. Mais vous ne me croyez pas, je l'ai dit. Parce que je regardais. Elles sont dans le désordre. J'aime bien mettre de l'ordre dans mes photos. Ça, c'est les photos de mon oreille. Elles sont dans le désordre. Non, c'est les plus sales à la fin. Hein? Voilà, voilà. Là, mon oreille est propre, c'est au début. Voilà, là ça jaunit. Ben là, tout. Ben voilà, ça s'élève. Oh. Ah, ça, c'est une photo de mon oreille, je la reconnais. Au réveillon. C'est parce que je vois, il a l'élastique du petit chapeau. Oui, ça, c'est bête, hein. Ça, c'est les infirmières. On fait réveillon au réfectoire chaque année. Et on est obligé, on doit mettre un petit chapeau, pointu, m'exceller, on a l'air bien. Ben, les hommes, ça va encore, mais les femmes. Oui, parce qu'au réveillon, elles vont au coiffeur. Elles reviennent avec des permanentes mouves. Moi, ça me fait peur. Quelquefois, il y en a qui se lèvent la nuit pour aller faire pipi, je les vois passer dans le corridor. C'est mou. On dirait Casper, le petit fantôme. Ben, une permanente mouffe, hein, avec un petit chapeau pointu. Oh, c'est pas appétissant, hein, non. On dirait une barbe à papa dans un cornet de frites. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Donc, réveillon de Nouvel An. Ah ben voilà, ils sont tous dans le désordre. Ça, c'est mon oreille au réveillon de Noël. Oui, parce que j'ai une huître ici qui pend. Oui. Une huître. Donc, ça, c'est de ma faute. Je ne le raconte pas à tout le monde parce que j'étais gêné. Une huître. Parce que je passe au réfectoire un petit peu avant 8 heures, qu'on allait faire le réveillon de Noël, et il avait des huîtres, un petit peu entrouvert. Et je me souviens quand j'étais gamin, qu'on écoutait la mer dans les coquillages. Mais elles étaient bien fraîches. Elles étaient vives. Elles s'est refermées tout de suite. Et ça suçait. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais fait aussi. Enfin, bon. Et... pas prendre des risques non plus avec des animaux qu'on connaît pas. Donc, me flèche, est impossible de l'avoir. Hein?
Nous, on m'a dit qu'il faut la mettre des gorgées dans l'eau et du sel. Mais donc, me v'là dans mon lavabo. Allez tenir votre respiration pendant deux. Donc, je me dis, je peux pas aller au réveil. Elle tenait, hein? Elle tenait, hein? J'avais mis du citron, tout ça. Et donc je ne peux pas aller au réveillon comme ça. Heureusement pour moi, c'était une soirée costumée, donc j'en ai mis une de l'autre. J'avais deux grandes boucles d'oreilles. J'ai gagné le concours. Ouais. J'ai fait Listeller sans sa perruque. Voilà. Ça, c'est la photo de mon oreille que le photographe il m'a appelé Van Gogh. Et quand j'ai eu mon passement, là j'étais mal arrangé. Ah, gros boss, moi, c'est à mon oreille. Eh bien, c'est parce que j'aime bien avoir mon pyjama bien repassé, donc je le fais moi-même. J'étais en train de repasser mon pyjama. Le téléphone qui sonne, distrait, je réponds. Pyjama en coton, donc, hein. Ça aurait été de l'acrylique, j'aurais eu moins mal, mais... Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous raconte? Vous me croyez assez bête, mais non, hein. C'est pas ça, ça c'est une vieille blague. Non, mon passement, c'est... Non, c'est parce que... Non, on m'a opéré de mes oreilles parce que j'ai ma vue qui baisse. Si. Mais écoute, c'est pas comique. C'est pas... Mais si je te le dis... Je vais voir mon oculiste, je lui dis, j'ai ma vue qui baisse. Il dit, c'est normal. Il me dit, c'est parce que vous avez vos oreilles qui se relâchent. Il me dit, c'est pas votre vue qui baisse, c'est vos lunettes qui descendent. Et elle redescendait ainsi. Donc, il m'a opéré pour remonter mes oreilles, que ainsi on a pu remonter mes lunettes. Il m'a déjà dit que je devais mettre des verres de contact, mais je ne sais pas parce que j'ai tellement de mauvaise vue. Pour moi, mettre mes verres de contact, il faut que je mette mes lunettes. Donc... J'ai essayé. Celle que je vous disais qu'elle était... Elle met des verres de contact. Elle le met n'importe où, hein, mais elle... Quelle fois, on dirait qu'elle est triste parce qu'elle a deux grosses larmes ici. Non, ça, c'est verre de contact. Enfin... Et, j'ai une mauvaise vue. Enfin, ça, c'est des photos... Oh, qui fait photo? On parlait de Van Gogh, ça, c'est mon autoportrait. Ben, un vieux, hein. C'est un vieux autoportrait de moi que j'ai fait. C'est une photo de ma voiture. Un autoportrait. Mais j'étais jeune à ce moment-là. C'est une forte. Une érection. J'ai souvent eu des... J'avais de fortes érections, mais quand j'étais plus jeune. Hein, mais... Oh, c'est une vieille photo, regardez. Là, je me souviens, il avait un autocollant. Sporting de Charleroi champion. Donc, c'est une vieille photo. C'est une vieille photo. On retrouve quelquefois des... Ah oh, non, ça, c'est un négatif. Oh, on voit plus clair. Hein. Ah, c'est moi. C'est Saint-Nicolas. J'étais gamin. C'est ça, non? Ah, c'est bizarre. Ce jour-là, j'étais sur les genoux de Père Fouettard. Ah non, c'est un négatif. C'est vrai. Non, c'est de vieilles... Excusez-moi, je vous embête avec mes souvenirs. C'est de vieilles photos que je retrouve. Oh. Ah oui, ça c'est des photos. C'est des photos qu'ils faisaient au début quand j'étais au home ici. Ils faisaient des photos de chambre. C'était des photographes qui venaient une fois par an, comme à l'école, mais là, ils ne faisaient pas des photos de classe, ils faisaient des photos de chambre. Ils ont vite arrêté parce que... Ben oui, nous, on n'avait plus nos parents pour acheter les photos après. Ça ne servait à rien. Enfin. Oh, on parle de photos de classe. On est nombreux là-dessus. Première primaire, ça sûrement. C'est trop petit, je ne vois plus bien. Je ne vois plus clair, mais tout ce... Je ne l'aime pas, c'est trop petit. Pourtant, je m'en souviens bien. Mes camarades. Oh. C'est trop petit, je ne sais pas vous. Mais les noms, on se souvient bien. Paul Goval, Jackie Frappard, Éric Curon, le grand,
Philippe Sautoir, Didier Crévieux, les frères Lourette, c'est loin, Sylvia Bontuel, Corinne Storré, Laurence Lardinois. Oh, il en a des autres. Je me souviens de tout. Et là, mais là-dessus, je ne saurais pas vous dire. C'est bizarre, à la vie. On fait des photos pour pouvoir les regarder après, pour se souvenir, et au moment de les regarder, on ne voit plus clair. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, de toute façon, dans cet appareil-là, il n'y a rien de jetable. No, today I just woke up and I said, this. No, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,